Mr. Pop. Let me tell you the story of John Henry and the steam engine. Every day John lifted his hammer, nailing one by one the rails crossing the US from east to west. Until one day his bossman said, "Henry, we won't be needing you anymore," as he pointed to the new steam drill that just arrived. "Well, I bet I can nail them faster than this beast," he replied. To save his job, John Henry wanted nothing but a raise. So for one day and one night, machine and man were side to side. The first one to arrive was the man, but before he could cheer, he fell on the ground. The man died on the spot, the hammer in his hand. That is the fate for those who defy the machine. Cette histoire, on peut la remplacer par celle de Jean-Olivier de la Comta contre l'ordinateur, qui tente à coups de nuit blanche de compiler tous les chiffres avant la fin de l'année fiscale. Ou on peut la remplacer avec l'histoire de Sandrine de Chronopost, qui tente d'aller plus vite que son camion plein de technologies qui contrôle et optimise chacune de ses livraisons. Ce thème, le remplacement du travail humain par la machine, intéresse beaucoup de gens et déchaîne parfois les passions. Une étude sortie en 2014 estime qu'en France, 3 millions de jobs vont être rendus obsolètes par les machines d'ici 2025. Et ce n'est pas la seule étude qui va dans ce sens. Mais plus que ça, il y a une idée qui se renforce, une conviction que le travail humain n'en a plus pour très longtemps. Que la machine va très très vite remplacer, rendre le travailleur obsolète. Cette idée aujourd'hui domine notre vision du futur, et on imagine des sociétés avec un chômage massif, des machines omniprésentes. Mais avant de continuer de répondre à la question du titre avec un oui, mais non, mais au final, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le tout parsemé d'anecdotes, je vais vous faire voir un de mes graphes préférés. Ce graphe, c'est l'évolution de la population mondiale. Pendant tout ce temps, des empires se font, se défont, des maladies ravagent des régions entières, mais tout ça, c'est invisible. Cette courbe se fout de nos petites histoires, jusqu'à ce que... la révolution industrielle. Ou comment certaines inventions techniques et découvertes ont permis à notre espèce de passer de quelques individus par-ci par-là à ce que nous connaissons aujourd'hui, des gens partout, partout et partout. Puisqu'on parle de courbe, celle-ci représente la proportion des gens travaillant dans la production de nourriture ces 700 dernières années. En France, on passe en 600 ans de plus de 70% des gens qui bossent dans l'agriculture à moins de 5%. Donc 8 millions d'agriculteurs français à un peu moins de 500 000. Et c'est donc un minimum de 7 500 000 personnes qui ont vu leur taf remplacé par des machines agricoles, le progrès de la chimie et toutes les autres techniques qui augmentent la productivité d'un agriculteur. Et encore, ça c'est sans compter l'augmentation de la population et de toutes les personnes qui n'auront ni le besoin ni l'opportunité de bosser dans un champ un seul jour dans leur vie. Donc clairement, les progrès techniques peuvent prendre la place de la main d'œuvre humaine et il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Une transition qui ne s'est pas faite sans douleur, et les conditions de vie dans les nouveaux emplois ont pu être effroyables. Et dès le début du 19e siècle, certains ont commencé à parler, voire à se révolter contre ce remplacement du travail humain par la machine. L'exemple le plus connu, c'est celui de Ned Ludd, un tisserand anglais qui aurait détruit des métiers à tisser en 1779. Cette technologie menaçait le statut et le revenu des artisans tisserands. C'était jusqu'alors une profession spécialisée et plutôt confortable. Dans les années suivantes, à chaque fois qu'une machine était détruite, Ned Ludd était accusé de l'avoir fait. C'est devenu une sorte de mème. En fait, cette histoire explique le nom de luddite donné à ceux qui ont des positions critiques sur les technologies ou qui détruisent des machines. Que ce soit John Henry, Ned Ludd ou Sandrine de Chronopost, il y a toujours des contestations. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des travailleurs remplacés par une machine ne perçoivent pas forcément de compensation. Leur capacité de travail devient simplement obsolète. De l'autre côté, on peut trouver un bénéfice plus global et une innovation qui permet d'augmenter la productivité permet aussi d'abaisser les coûts. Au lieu d'avoir 70% de la population à rémunérer pour manger, il suffit d'en rémunérer que 3 ou 4% aujourd'hui. On a donc une forme de bénéfice global que l'on voit très bien quand on regarde la part du budget d'un ménage américain dédié à la nourriture. C'était plus de 40% en 1910 à moins de 20% en 1980. Et c'est pareil pour l'habillement qui est passé de 24% à 4,5%. Et ça, sans compter l'augmentation de la qualité et du nombre de vêtements dont on dispose aujourd'hui par rapport à nos ancêtres. D'ailleurs, au début du XXe siècle, l'innovation technique a été étudiée. En 1931, l'économiste John Maynard Keynes écrit un essai, « Les possibilités économiques pour nos petits-enfants ». Il y fait trois prédictions pour le siècle futur. D'abord, c'est l'augmentation importante des conditions de vie, ce qui s'est vérifié, et elle continue d'ailleurs de progresser quand on prend l'humanité dans son ensemble. Deuxièmement, il prédit que ses petits-enfants ne travailleront pas plus de 15 heures par semaine. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que ce n'est pas le cas, même si le temps de travail par semaine a eu tendance à diminuer depuis sa prédiction. Sa troisième prédiction, c'est que l'humain atteindra un palier de consommation. Passé à un certain niveau, il ne consommera pas plus. Et là, pour le coup, c'est loin d'être le cas. Nos besoins ont évolué, et dans une société développée, on peut être considéré comme pauvre si l'on ne dispose pas d'un téléphone capable d'afficher 1080 pixels. Bon après, il reste une décennie à Keynes pour que toutes ses prédictions se réalisent,
Mais c'est plutôt mal parti. Ce que Keynes n'avait pas prévu, c'est l'absence de ce palier de consommation, l'absence de satiété. Ayant toujours de nouveaux désirs, il est toujours possible de produire plus, de produire autre chose, ou différemment. La plupart de l'énergie humaine économisée par la machine est donc utilisée ailleurs. Un autre économiste, lui, ne semble jamais avoir cru à ce palier de consommation. Schumpeter, en 1942, décrit ce qu'on appellera la destruction créatrice. En 1920, le cheval est le moyen de transport. Il y en a autour de 25 millions aux États-Unis. C'est une industrie qui demande une main-d'œuvre pour entretenir les écuries, pour construire des charrettes, pour les conduire ou pour nettoyer les rues souillées de crottins. Et puis tu as la voiture qui se développe et qui va rapidement rendre le cheval obsolète comme moyen de transport. Et donc la plupart des métiers liés aux chevaux disparaissent dans le même temps. C'est la destruction d'une industrie et la naissance d'une nouvelle, celle de l'automobile. Selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, autour de 9 millions de personnes travailleraient directement dans cette industrie et 50 millions indirectement. Mais ça, c'est d'après le lobby de la voiture. En plus de ça, le développement de l'automobile a permis à des millions, puis à des milliards de personnes de prendre la route quotidiennement. Ces personnes demandent alors de nouvelles infrastructures, des routes, des ponts, des tunnels, des aires d'autoroute, et c'est aussi un besoin de destination et le développement d'une industrie touristique, de tous ces restaurants, hôtels, tous ces parcs d'attractions et musées. On peut aussi penser aux hypermarchés et à leurs parkings. Celle de l'industrie du cheval est détruite, celle de l'automobile est créée, c'est la destruction créatrice. Le travail humain serait alors comme l'eau d'un lac, et les nouvelles technologies des pierres lancées dans celui-ci. La pierre déplace l'eau, puis tout reprend son calme, un nouvel équilibre apparaît, jusqu'à la prochaine pierre. En tout cas, c'est ce que démontrent les études économiques. Sur le long terme, il n'existe pas de lien entre innovation et chômage, mais ça c'est sur le long, voire le très long terme. À court terme, la partie destruction est bien présente. Imaginez qu'une machine comme celle-ci soit inventée. Un robot capable de fabriquer des t-shirts. Et si ces concepteurs parviennent à rendre le coût de fonctionnement inférieur à celui d'un ouvrier payé 80$ par mois, je vous laisse imaginer le chômage de masse potentiel. À plus long terme, la destruction créatrice nous indique que d'autres industries devraient chercher et trouver le moyen de mettre au travail cette surabondance de travailleurs. Mais quand? Dans 2 mois, 5 ans, 30 ans? La destruction pendant ce temps-là est bien réelle. Mais ce que dit Schumpeter, c'est qu'une société qui souhaite bénéficier du progrès technique doit accepter que des individus voient leurs activités devenir obsolètes. Chercher à mettre un stop à ce processus, c'est également mettre un frein au progrès technique. Pour comparer avec la vision de Keynes, le progrès technique déplace le travail humain vers d'autres activités. Mais comme les humains ont une capacité pratiquement infinie à désirer, alors on peut imaginer qu'il y ait toujours autant de travail. Mais et si cette fois-ci c'était différent? Et si à force de jeter des pierres dans le lac, on finissait par le boucher? Ou si on jetait un caillou tellement énorme qu'il vidait le lac d'un seul coup? Dans cette dernière idée, je vois celle-ci. By 2029, we'll have reverse engineered and modeled and simulated all the regions of the brain, and that will provide us the software, algorithmic methods to simulate, you know, all of the human brain's capabilities, including our emotional intelligence, and computers at that time will be far more powerful than the human brain, and we'll be able to create machines that really do have the subtlety and suppleness of human intelligence, and they'll combine that power with ways in which machines are already superior to us. Ça, c'est le concept de la singularité, le moment où l'IA parviendra à innover elle-même et se faisant à dépasser les capacités humaines. Une prédiction très controversée, déjà parce que le développement de l'intelligence artificielle est constamment l'objet de prédictions qui ne se vérifient pas vraiment. Nous aurions déjà dû avoir des robots capables de communiquer avec un humain dans les années 80. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Les vagues d'innovation soudaines dans ce secteur créent des cycles de hype, puis après des ralentissements arrive le moment de la désillusion. Il y a même une page Wikipédia dédiée à ces périodes de désillusion, plus connues sous le nom d'hiver de l'intelligence artificielle. Ce qui ne veut pas dire que les progrès techniques de ce secteur ne sont pas hallucinants. Mais on est entre deux visions différentes, celle des technologistes et des économistes. Je vais grossir le trait, mais les technologistes ou les futuristes pensent généralement que le travail peut disparaître très rapidement. Cette vision technologiste est très présente dans la vidéo de CGP Grey, Human Need Not Apply. The horse population peaked in 1915. From that point on, it was nothing but down. There isn't a rule of economics that says better technology makes more better jobs for horses. It sounds shockingly dumb to even say that out loud, but swap horses for humans and suddenly people think it sounds about right. As mechanical muscles pushed horses out of the economy, mechanical minds will do the same to humans. Not immediately, not everywhere, but in large enough numbers and soon enough that it's going to be a huge problem if we're not prepared, and we're not prepared.
Une idée absurdement idiote donc, mais est-ce que faire un parallèle aussi direct entre cheval et humain a un sens? Un cheval ne dispose pas de la capacité de chercher, de répondre, voire de créer de nouveaux besoins et désirs chez les humains. Aucun cheval n'a eu l'initiative de devenir un influenceur sponsorisé, ou d'utiliser ses capacités d'écoute pour répondre à un besoin, ou même de s'inventer un don pour résoudre des problèmes que la médecine s'est déjà traités. Tu ne savais pas que tu avais besoin que l'on garde ton chien avant qu'on te le propose. Tu ne savais pas non plus que tu avais besoin de regarder quelqu'un jouer à des jeux vidéo avant de te retrouver devant Squeezie. Bref, nous ne savons pas grand chose de nos besoins et de nos envies futures. Après tout, on pourrait se contenter de 3 modèles de voitures et de 35 pièces de vêtements, mais non. On recherche le choix, on ne dépense pas de l'argent seulement pour répondre à des besoins physiologiques, mais aussi pour montrer qui l'on est. Que ce soit en achetant des vêtements ou en votant une augmentation d'impôts pour financer un budget de la recherche aérospatiale. Et pour l'instant, selon les économistes, la disparition du travail humain ne se voit pas dans les chiffres. Here, going back to 1970, is a graph with the big thick line showing the advance of ATM machines from 0 to 400,000. The thinner line shows you what's happened to the employment of bank tellers. It's gone from 200,000 to 400,000. Bank tellers were not eliminated by ATMs. And the last chart, I think, is the most interesting. The first spreadsheets were invented for the personal computer. And the line that goes down shows you that about 1 million jobs of bookkeepers and clerks were eliminated by the invention of spreadsheets. But spreadsheets made possible a whole new career called financial analyst. And the steeply rising line shows you about 1.5 million new jobs were made possible. My moral from this is that it's very easy to predict jobs to be destroyed. It's much harder to predict the new jobs that will be made possible by new technologies, like in this case. Donc, pour répondre à Better technology makes more better jobs for horses. On peut aussi dire qu'il est absurde de simplement remplacer chevaux par humains sans prendre plus de précautions que ça. Par contre, est-ce que cette règle économique dit vraiment que les jobs à venir seront de meilleure qualité? Aucune idée, à part que le travail précaire et vide de sens est loin d'avoir disparu aujourd'hui. Mais si on peut prendre le passé comme une indication du futur, alors on peut imaginer le type de travail qui va se développer. En 1871, il y avait un coiffeur pour 1793 personnes en Angleterre. Aujourd'hui, il y en a un pour 287. Et on pourrait trouver des chiffres similaires pour les barman, les journalistes, les sportifs, les hackers, les conseillers financiers, les infirmiers, les profs de yoga ou les psychologues. De plus en plus de travail de service et de service à la personne. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si on pourrait imaginer une société où le travail serait essentiellement de service. Et si on veut aller dans l'absurde, pouvons-nous imaginer une économie où nous serions tous le psychologue professionnel de notre voisin? À part si on est convaincu qu'une singularité technologique arrive bientôt, le phénomène que nous vivons ne ressemble pas à un grand remplacement machinique, mais à une évolution possiblement chaotique, comme un jet de pierre continu dans un lac de travail humain. Et pour finir avec une prédiction souvent vérifiée, le futur va dépendre de ce que nous en ferons. Will this new world be utopian or dystopian? And I want to draw an analogy here, because technology is like a windfall, like it's like discovering a resource. And so this windfall can be treated in different ways. Society can treat it like Norway and Canada have and become a progressive welfare state in which most people share in the blessings, or they become like Russia or Nigeria, where their revenues are stashed away for the benefit of a small kleptocratic oligarchy. And that becomes a question of political institutions, not of technology. Thank you. Comme d'habitude, plein de sources en description, en espérant que ça puisse participer à votre réflexion sur le sujet. C'était Stupid Economics. Sur ce... Cette vidéo a été produite grâce au soutien de plus de 300 tipeurs. L'objectif, c'est que 1% des abonnés de Stupid Economics contribuent d'1€ pour continuer de produire des vidéos comme celles que vous venez de voir. Aujourd'hui, nous sommes à 0,32%. Et ce soir, comme tous les soirs de publication, nous serons disponibles sur Discord pour discuter du sujet d'aujourd'hui.